les potos, on se retrouve aujourd'hui, on est le 4 février et on est parti, enfin on part chercher nos dossards pour le 20 km de Bouffemont avec 1000 de dénivelé positif. Alors je vous présente Céline, regardez-la bien parce que demain c'est plus mon amie. Voilà, c'était pas du tout prévu. Vous savez que moi je me chie dessus dès qu'on parle de dénivelé, donc bah là c'est plus, enfin voilà quoi, hein, les bonnes idées. Donc bah voilà, c'était juste pour vous prévenir, pour une fois je me souviens de la date, de l'endroit. Et puis voilà, apparemment on est dans le nord Seine-et-Marne, Île-de-France, pardon, tu vois, faut toujours que je raconte d'une connerie, forcément. donc pour la petite histoire, il y a eu à 13h le départ du 10 km Canicross et puis ensuite un 10 km. Il me semble même qu'il y a une histoire de petit challenge de répétition de 10 km plus le 27 km de demain. Bah voilà, on se dit à tout à l'heure. Bon les copains, on part dans une demi-heure à peu près, donc je viens de demander au speaker. On est 400 inscrits sur ce night cross, 50 sur ces 400 inscrits, 50 font partie du challenge, donc 10 km plus 20 km nocturne, où tu as le 10 km plus 42 km de demain. Donc voilà, c'est le petit challenge, seront additionnés les temps en fait de course, et donc il y aura un scratch par rapport à ça au niveau des temps. Et voilà, donc pour le moment, j'avais vraiment l'impression qu'on n'était pas nombreux. Je pense que les gens vont commencer à arriver d'ici un petit quart d'heure. Et puis voilà, comme d'habitude, plus d'hommes que de femmes. Hein. On est toujours en minorité. Hein. Ce serait peut-être temps que ça bouge un peu. Là, les nanas, vous faites quoi, vous, hein? Parce qu'on dit ça, mais en fait, c'est vous qui bougez pas. Hein. Bon, allez, on se retrouve tout à l'heure sur le départ. 5 minutes du départ, les amis, 5 minutes. Est-ce qu'on se chie dessus? Oui. Jaune, les flèches sont jaunes sur le parcours, c'est pas compliqué, tout est jaune, flèche jaune avec écrit night dessus, vous pouvez pas vous tromper. Il y a également du balisage réfléchissant, voilà, de la rubalise jaune réfléchissante, donc avec les frontales vous verrez, on le voit super bien. Vous avez également de la bombe de peinture phosphorescente, donc quand vous mettez les frontales dessus vous voyez que ça, en plein jour on les voit pas, mais la nuit vous voyez que ça. Donc suivez bien le parcours, le balisage. Attention, sur le parcours il y a peut-être quelques sangliers, quelques chevreuils. Attention parce que ça traverse vite, ça fonce tout droit. Donc faites bien attention à vous. J'aimerais qu'on fasse dans un premier temps une ovation pour tous les bénévoles, toute l'équipe de l'OBS, de l'Office, vous faites mon toit d'espoir. Sourire. Maintenant, vous allez allumer vos frontales. On va allumer les petites étoiles filantes. Regardez, c'est magnifique, la belle image. Et là, j'aimerais voir un petit truc, un petit clapping. Je veux voir toutes les mains écartées au-dessus de la tête. Toutes les mains écartées au-dessus de la tête. Alors, qu'est-ce que vous me répondez si je vous dis Maxi? Ouais, vous êtes bon, vous êtes pas mauvais les Parisiens, vous êtes pas mal. Alors, vous direz cross et en même temps, vous tapez bien fort dans les mains. Attention, je veux le silence total. Chut. Maxi. 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 Non, elle a pas compris. C'est pas grave. Elle a pas compris, allez.
c'est parti les amis. Attention. Et voilà. C'est vraiment très très dense pour le moment. On peut pas doubler. C'est pas un single un peu plus large, mais c'est un peu compliqué. Mais du coup voilà. On est très lent du coup. Allez, allez, le retour va être assez dégueulasse à mon avis. Bon les copains, on est encore on est à 1,8 km. Bon, c'est encore vachement dense en réalité. Là, on est sur une descente. Mais du coup, vu que c'est un single, et ben voilà, on est obligé de... Hop. Obligé de marcher. Parce que clairement, bah, on passe pas quoi. Très sympa, hein. Céline m'a déjà largué dès la première montée. Allez, on y va. De toute façon... On a été pas loin là. Petits obstacles. Ça c'est pour les petits. Hop. Ça passe là. Ça redescend là. Pour l'instant. On monte. Et Céline qui va m'attendre encore. Elle ne va faire que ça. Pendant 20 bornes. M'attendre. De quoi? J'ai dit que tu allais faire que ça. Sur 20 bornes, m'attendre. On peut les descendre ensemble. Exactement. Ça me fait penser au à l'éco-trail Paris. Il y a de bonnes montées, mais il y a de belles descentes aussi là. Technicité là, c'est la boue. Et encore, vraiment, c'est cool. On est à 3,49 et déjà 132 de dénivelé. Oh là là. De ouf. Attention. Quatrième kilomètre. Merci. Oh là là. Ça c'est top ça. Waouh. Mais écoutez, pour le moment c'est vraiment sympa. Voilà, rien d'autre à dire. Rebalaise réfléchissante. Allez. On est au 5e kilomètre et on a une belle côte en fait qui est pas hyper pentue mais qui est longue. Oh. Du coup bah voilà, ça fait monter bien le cardio. Ouh. On arrive bientôt en haut, je trouve. Ouais. En parlant des rebalises, il y a les rétro-réfléchissantes. Tu as aussi des bombes de couleur phosphorescente. Voilà. Du coup, super, c'est une partie. Moi, j'ai pas sa forme. Allez, un petit single. Ça, c'est cool, ça. Allez,
à l'escalade. Petit passage énergivore là. À 8 km 200, on a 332 de dénivelé positif. C'est très sympa. On va être honnête. Ça, c'est de la descente de bâtard. Ok. Allez, on va essayer de faire quelque chose. Hein. Vas-y, laisse-toi descendre. Laisse les jambes. Voilà. Allez. Ouh. Eh ben. C'était impressionnant. Oui. Je m'attendais pas à ça, en fait. Attention. En général, c'est soit grosse flaque bien dégueulasse, soit grosse montée ou grosse descente. Là, on est sur de la montée qui tabasse bien les fessiers. Là. Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir fait de PPG ? Oui. Oui, ça va, je t'aime encore. 10e kilomètre sur une côte de bâtard en 1h22. Ça tabasse les montées là. Je suis très peu en descente parce qu'on en voit tout pour garder un rythme au kill quand même raisonnable. Et du coup, c'est un peu creepy. Donc, il y aura beaucoup de rushs où je parle, où je marche. Mais sachez que quand il y a des petites descentes qui sont délectables, ça va et toi ? Donc, petite descente délectable, tu te retrouves aux 5 au kill. Ah, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. 10 km 5, 500 D+, pratiquement. Non, je suis de Marseille. 456, pardon. Et 1h30. Ouh. Là, il y a beaucoup de montées qui tabassent bien. Mais sur de la belle rubalise toujours. Je pense que l'on va descendre avec une corde. Allez. Et oui. Allez. Oh, c'est gentil. Bon, avec une GoPro dans une main. Est-ce que c'est gentil? Allez. Je l'ai. Allez. Hop. Hop, allez, on y retourne. Sans se brûler, ce sera encore mieux. Bon, et ben voilà. Hop là. Allez, on y retourne. Bon, je mets toujours mon gant pour pas me brûler avec la corde. Ça m'est arrivé il y a des années. Ça m'a servi de leçon. Après cette succession de montées de bâtards, une petite descente. Ouais, le dénivelé va très très vite.
dénivelé positif. Bon, je pense que le négatif aussi. J'ai pas de visu dessus. Mais ça va vraiment très très vite. Hein. Là, ça glisse un peu, on va faire attention. De toute façon, dès qu'il y a des pompiers en haut d'une descente, je sais que ça va être un peu technique. Tout à l'heure, il y avait les pompiers, il y avait pas mal de cailloux. Là, ça glisse beaucoup. On va pas jouer au con. C'est dommage. Une descente, on essaie d'aller un peu vite, mais alors là, je vous avoue que je fais pas ma maline. Bon, tout va très bien. Bon, quand ça monte, hein, les cuisses piquent de ouf. Mais sinon, franchement, c'est une belle découverte, ce profil de course-là. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça ne fait que ça, en fait. Tu sais que dès que tu te tapes une montée, tu vas forcément te taper une grosse descente. Voilà, c'est rigolo. C'est la première fois que je fais ce genre de profil. Voilà, c'est rigolo. Ça réconcilie un peu avec le dénivelé, parce que tu as possibilité de te faire un peu... d'avoir un peu de récup en descente de temps en temps. Voilà. À tout de suite, les copains. On est sur de la belle structure, là. C'est très joli. C'est très, très joli. Bon, allez. On arrive sur une partie vraiment roulante. On va en profiter. Tout va bien. Vraiment. Tout va bien. C'est trop génial. Ça va nickel. Allez, on est à 15 km 6 en 619 mètres de dénivelé positif et puis en 2h11 de temps. Là, on est sur de l'ambiance de fou. Là. Voilà. Allez, là, on est sur de l'ambiance. Avant-dernière montée, apparemment. Ah, ouais. Ça c'est de l'ambiance ça. Allez. Ils sont énormes. Ils font tripper. Les amis, il nous reste à peu près 3 km 6. On est à 16 km 780. Et nous sommes sur 2h25 de course, 714 de dénivelé. Encore une fois, on vient de se taper une belle patate, mais semblerait-il qu'on soit sur la fin. Enfin, semblerait-il, non, c'est certain, nous sommes sur la fin. Donc, je peux dire pour le moment que Céline est encore mon amie et que j'ai vraiment bien aimé ce format de course. Donc voilà. Nous sommes à 1,5 km de l'arrivée, donc nous sommes sur le retour, les mêmes traces que nous avons pris à l'aller. Nous sommes à 18,80 et puis bah voilà, hein, encore une fois tout va bien. On commence à être un peu fatigué, enfin surtout les fessiers, j'ai envie de dire, les cuisses, mais le reste est au taquet. C'est vraiment une belle expérience. Il est temps qu'on arrive parce que ma frontale commence à être fatiguée. Une petite montée, toute petite rikiki. Mais que là, on ne peut pas courir. Enfin, on s'en fout, de toute façon, on est arrivé. Et en plus, on entend le speaker, c'est vraiment que c'est bon, quoi. Il était tellement sympa, ce faux plat descendant à l'aller. Hein, Céline? Mais ouais, mais c'est ça. On n'a pas eu la pluie. On n'a pas eu la boue. Enfin, trop de boue. On n'a pas eu un temps dégueulasse. On a le temps même idéal pour ce qu'on appelle un cross. Donc franchement, il n'y a plus qu'à maintenant. 50 mètres de l'arrivée. Et on fera un moins de 3 heures. Wow. Allez. Merci. Allez, merci. On y est, les amis. Oui, c'est ça, très bien. Alors, ce que je veux dire, c'est qui fait la sœur. Bravo, copine. Bravo, copine. La médaille à tous les deux.
autour du cou. Bien évidemment, hein. Il fallait bien terminer en face. Yeah, on continue. Mathias Casalo, Sophie Santin, la 32e et la 33e féminine. Bravo, Céline 32e, Panel. 33e. Wow. Allez, c'est fait. Attends. Bravo. Oh putain, on est des ouf. C'était cool. On est des ouf. Hey, on est des ouf. Allez, on part de le dire. Attends, débrief vite fait. Ah oui. T'en as pensé quoi alors? C'était difficile, mais c'était génial. Allez, ah ouais, vraiment, c'était top. Sport, les lumières, mais les vraiment, lights, vraiment top. Les secouristes. Je pense voilà, que je leur ferai vraiment. Nos amis de la Croix-Rouge, c'était ils sont génial. Voilà, les copains. On se retrouve demain matin pour les 10 km de Vincennes. Je vous fais des gros bisous. Générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube n'enlève pas, c'est libre de droit. Libre de droit, libre de droit. Générique libre.